Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Chroma Squad, le tactical RPG de la chaîne. Je vais y arriver à le dire, un de ces quatre. On charge la partie avec le Mighty Morphing Playroom. Saison 1, épisode 3 en mode casual played. For less than an hour. Et on y va. On se lance dans l'aventure, dans l'épisode 2 ou 3 à tourner. Hein. Voilà, il nous reste l'épisode 3 à continuer. On a 677 crédits, on a une balance de 692 supplémentaires à chaque épisode, je crois. Au niveau des acteurs, tout ça, on a tout ce qu'il faut. Au niveau de là-dedans, on a pas besoin de tout ça. Au niveau du crafting, est-ce qu'on a besoin de quoi que ce soit, alors ? Silver tape et du plastique. Juste pour voir. Hop. On va l'équiper sur Red, donc qui est en fait White. Je peux récupérer ça, d'accord. Parfait. Ça je ne peux pas, ok. Ça je peux le faire. Skill regen, d'accord, ok. Donc je perds de la skill regen, par contre je vais aller en else. Et en counter, bah écoutez, on va mettre plus de counter. On va mettre une combinaison spéciale à notre Red and White. Hop. Oh, tu perds en attaque, mon pote. Quoi ce bordel? Donc 3 boules rouges, j'en ai plus, j'imagine. Non. Dommage, j'aurais bien aimé cette épée là. Back. Peut-être qu'en shop on a une meilleure épée. Non, c'est celle qu'il a là déjà. Ok, pourquoi pas. Bon, eh bien, écoutez, allons-y. Allons tourner un autre épisode. Fatih Alien ou Vulcan Story. Reach the guy before defeating all enemies. Reach the guy in 3 turns. Ok, bon, on va faire celle-là. Après tout, ça va être la plus compliquée, mais j'ai l'impression qu'en fait, on doit finir par un gros boss. Et je pense que ce gros boss sera le fameux... j'ai fait des recherches et je pense que je sais, je connais un moyen de faire le buzz et de booster notre audience. Qu'est-ce que c'est, vert? Ah ouais, certains de nos épisodes devraient peut-être faire des références aux plus grands héros des autres séries TV. Cool, on pourrait enregistrer un épisode spécial, mais bon, on n'a pas beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, blanc, rouge, tout ce que tu veux. J'ai quelque chose en tête. Il y aura une fille kidnappée, juste comme dans la série qui nous a inspiré. Et ma sœur sera celle qui sera kidnappée. Wait. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Forcément, la rose. Attends, pourquoi ce serait pas un mec qu'on devrait secourir? Pinky a raison. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça à quelqu'un d'autre? Elle fait partie de la famille et elle a toujours voulu être sauvée dans un show TV avec des héros. Ouais, je pense qu'on devrait faire attention pour ne pas tomber dans des trous, dans un gimmick sexiste. Si les séries qui nous ont inspiré était vraiment comme ça. Et si la sœur de Jaune voudrait vraiment le faire, qu'est-ce que c'est le problème? Ça va pas! Cet épisode est tellement vrai et faux. Black, on ne voudrait pas qu'on montre qu'on est sexiste, raciste ou quelque chose comme ça. Bah oui, Black est noir, le jaune est un chinois, etc.
Mais quand les gens regardent notre TV, notre show, tout ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a à l'écran, parce qu'il y a derrière. Ouais. Donc c'est notre responsabilité de changer les choses telles qu'elles sont, et les rendre meilleures pour que le monde puisse les reproduire. Je comprends maintenant. Même les choses drôles peuvent changer le monde, n'est-ce pas? Et même un tout petit changement. C'est quoi ce discours? Mon demi-frère, Luciano Diaz, voudrait aussi être sauvé par nous. Bon, je pense pas que ma sœur sera pas d'accord. Ok, bon, bah on y va alors, Bonus Ranger. C'est tellement classe. Ça parle tellement, mais c'est tellement classe. Ah d'accord, vous avez compris comment il faudra faire? Il y a une tortue, donc il sera sûrement un tank. What? Ah, je crois que ça allait être là-dedans. On doit le ramener au boss. Faut le faire rapidement, je pense que les bonus rangers seront là rapidement. Seront là très vite. Oups. Les bonus rangers doivent combattre contre des tonnes d'ennemis pour pouvoir passer au travers de tout ça. Enfin, pour pouvoir rejoindre le boss. La personne qui se fait. Ouais. Donc là, c'est le team. On doit sauter par du son en disant les acrobaties d'équipe. Je désolé d'interrompre l'épisode, mais bon, qu'est-ce qu'il y a, Green? Ah non! Nos uniformes sont encore au nettoyage. On peut pas utiliser le power bonus pour cet épisode. J'espère que nos fans comprendront. On va abuser de ce teamwork pour faire plus nous amuser. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti, on y va. Dépêchons-nous, il est juste là-bas. Oh putain, ça y est, il commence à faire de la merde. Luciano, qu'est-ce que je t'ai déjà dit plus tôt? Tu dois te taire et on a même pas de micro pour toi. D'accord, parce qu'il voulait se battre avec ses trucs. Phrase d'entrée, et on y va. 3, 2, 1, action! Allons-y, il est juste là, nous devons le sauver. Pas si vous nous stompez avant, bonus ranger. Hop. Double attaque. Black, il y va. Ok. Pourquoi on peut pas sauter par-dessus? Ah, j'espère que je vais l'avoir. Hop, j'espère que la rose pourra y aller. Ouais, on l'a fait, c'est bon. Parfait. Boum. Cool, on a eu les deux. Génial. Est-ce que c'est pas arrivé aussi dans Moon Vulcan aussi, non? Seulement si on avait enregistré ça au pôle Nord, y'a le. Qu'est-ce qu'elle est pas drôle.
Spoilers! Ouais, c'est le dernier épisode en fait. Haha, pas mal. Dommage qu'on n'a pas une, une fille Amazon pour se battre avec. Bien joué tout le monde. Et merci Luciano. Cool. Cool, cool, cool. Putain, on est parti avec beaucoup d'argent en moins en fait. Cool, 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 cool. Bon, c'est cool. Hop, on va boire un coup. Alors, épisode 4. On a reçu 3 mails. Alors. Salutations, les représentants de Mighty Morphling Playroom. Mon nom est Ronaldo Sampaio. Et je suis le manager de Madfolks, marketing donc une agence de marketing. On a adoré vos premiers épisodes et on est prêt à vous donner un travail pour faire en sorte que votre show atteigne plus de monde autour du monde. This is, donc, voilà comment notre agence fonctionne. Vous nous payez un taux fixe, hebdomadaire, pardon. Et on va faire en sorte d'améliorer votre audience directement via les fans et dans les revenus. On vous garantit 15% d'amélioration dans vos audiences à chaque épisode. It's free for the first week. On va aller voir le reste avant. Oh, oh, comme tu as un oncle qui oublie tout, Green. On n'en avait pas parlé depuis que le studio s'est ouvert. Alors, comment ça se passe dans mon entrepôt parce que j'espère que vous avez tout l'endroit que vous avez besoin. J'ai dit à Joe de réparer les problèmes dans la salle de bain vendredi. Oh, et c'est pas sûr de bien nourrir le petit chat qui roule, qui vit donc dans la place, quoi, dans l'endroit. Et là, depuis que j'ai ramené le Cerebro Device, donc l'appareil Cerebro l'été dernier, j'étais sûrement dans le carton, etc., etc., comme chose comme ça. Les chats sont toujours sympas, c'est toujours sympa d'avoir un chat autour de soi. J'espère que cette petite bestiole t'inspire pour créer de nouvelles choses. Alors, comment ça va, mes vieux amis? Docteur Mia, ah le salaud! Oui, on sait tous que je suis la seule raison pour laquelle votre show est plutôt bien. Je sais que nos derniers moments n'étaient pas super géniaux et que tout est super génial. Et on était dans une situation débile parce que voilà, vous nous avez volé des idées. Donc allons droit directement au deal. You have a few, donc voilà vos options. Soit on vous retrouve devant le tribunal. Soit vous me payez pour mes idées. Soit je serai votre nouveau directeur. On se reverra au tribunal. J'aurais pas fait comme vous à votre place, mais bon, vous avez pris le pire de mes conseils. Bonne chance pour vous tous. Les avocats sont les plus démoniaques entre guillemets. Marketing, oui, s'il vous plaît. Parce qu'on a refusé son truc, je préfère dire oui au marketing. Ok, parfait, bon. Alors niveau marketing, normalement ça doit apparaître là. Pour l'instant je paye pas. Ok, marketing. Moins 50 par épisode, ça va. Fan power, 173. Ah d'accord, c'est un truc à utiliser en fait de temps en temps.
C'est-à-dire que vous voyez, j'ai 173 points, par exemple, je pourrais utiliser ça et ça. Donc là, moi, je vais utiliser ça et ça. Voilà. Hop, et on va aller peut-être aller tourner un deuxième épisode, aller pour le fun. Donc, perform team attack with 3. On fait une team attack avec 3 membres de l'équipe. Combattre, battre les faibles Bread Crumbler en 4 tours. Ensuite, on aura détruit tous les minions avant de battre le boss et attaquer le boss à chaque tour. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Espérons que ça parle un peu moins. J'adore quand tu utilises l'effet de téléportation pour aucune raison. C'est juste trop marrant, n'est-ce pas Black? J'avais presque oublié, Green, t'as pas rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui? Ouais, dans quelques minutes, White. Donc je devrais partir, désolé. Pas de problème, on va faire ça aussi vite que possible. Soyez prêts! Il est temps pour les minions d'arriver sur le truc. 2. Ok. 3, 4, 5. Raw! Suddenly, a very human-like alien-esque. Donc, soudain, un extraterrestre qui ressemble vraiment à un humain rejoint le stage. Voilà. Tes patients sont censés nous rejoindre maintenant! On n'a pas encore trouvé ton endroit où tu es caché. Tu t'es caché. Ah, je suis désolé, les gars. Je ferai plus attention la prochaine fois. Il se barre, oh, putain. Un peu plus de minions sur la scène devrait pouvoir rendre plutôt pas mal. Je pense qu'il faut que je pète la gueule à tous ces trucs là en moins de 4 tours. Préparez-vous. On doit s'occuper de tous ces monstres. Ne t'inquiète pas, Jaune, ça devrait être facile. Allez, bonus ranger, allez. D'accord. Ah non, c'est eux qu'il faut que je batte. Ok. Allons attaquer celui-là. Hop. Hop. Salut. Ok. Prochain tour, on fait le power bonus. La vache, il nous pousse. Ok, power bonus. J'ai dit power bonus. All hail Marcus! Pip pip! Ah, ça a changé son casque, trop cool! Et de 1. Et de 2. Et le 3. Voilà. Il ne reste plus qu'un tour pour tous nous les faire, ceux-là. Ça risque d'être un petit peu short. Hé hé. Esquive. Parfait. 1. Hop. Eagle Lasso. Ah merde, on m'est baisé. Ah, c'est chiant. Abort. Faudra que je fasse mieux que ça. Faudra vraiment que je commence par un... Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Hop, est-ce qu'on peut passer tout ça? Oui, on peut passer. Allez, on peut passer.
Hop. Il est mignon. Mignon. Le boss. Les saloperies. Ok. Apparemment, il y avait trop de monde. Allons-y. Ah, ça les oblige à s'enfuir, c'est cool. Dis-moi. Voilà, ça heal tout le monde, c'est cool. Parfait. Trop rapide pour toi. Bon, bah, là, je l'ai pris, il a contre-attaqué. Ok, pourquoi pas. Ouais, tu une dynamite, carrément. Hop, 1. 2. Et 3. Ça y est, on l'a fait. Parfait. Le tour de l'ennemi. Hop, merci de me pousser vers tes alliés. Sympa. Il n'y a même pas de counter, c'est dommage. Ah mince, il m'en pousse. Hop. Eagle Lasso. Boum. Oh, il l'a esquivé, le salaud. Boum. Et elle, qu'est-ce que c'est? On met de heal. Heal Dokken. On a vu le spot arriver par le haut, c'était génial. Ah non, te barre pas. Gros sac. Parfait, la rose est plus proche. Hop. Le rouge aussi. Oh non, la haine. Ok. L'esquive pas. Parfait, on l'a eu. Ouh, dans les temps, tout juste. On aurait continué cette histoire dans un autre épisode. Maintenant, je dois aller chez le dentiste. Prenez soin de vous, tout le monde. What? Mais te barre pas! To be continued. Attends, on devrait utiliser l'absence de Green pour faire une autre histoire. Une autre partie de l'histoire. Ouais, comme si Green avait été kidnappé par le gros alien. Ça serait génial. Bon, bah... bon, bah, on continue l'histoire, en fait. On devrait prendre d'autres positions à d'autres endroits pour être sûr que les gens puissent penser qu'on n'est pas dans la même partie de l'épisode. Qu'on puisse tourner la suite, en fait, à un autre temps, quoi. Bonne idée, Yellow. Allez, on y va, tout le monde. Allons à d'autres endroits. Si vous voulez. Le gros alien a kidnappé Green. Maintenant, les bonus rangers ont rejoint sa cachette pour qu'ils puissent récupérer leur ami. Eh
Et soudain, il apparaît. Le voilà, chers amis. Yo, vous ne verrez plus jamais Green. Les tortues ninja. Qu'est-ce que c'est que ces endroits blancs au sol? C'est dégueulasse. Green étant de bonnes mains. C'est violent. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, maintenant, quelqu'un d'autre rejoint le set en utilisant des supports de téléportation. Qui es-tu? Mon nom est Thomas Dahl. Je suis Galax Silver, le 6ème Ranger des Galax Rangers. Nous sommes là nous sommes responsables du maintien de la paix dans la galaxie entière. Et ces monstres intergalactiques sont une menace pour nous tous. Je crois que t'étais juste en train de rentrer dans le studio. Mais je pense que je vais l'utiliser. Ta phrase était juste géniale. Mais une autre chose, Thomas. Bon, attention les gars, on y va, on continue. Galax Silver, c'est sympa de te voir ici. Fat Alien, le gros alien a kidnappé Green. Dis tes derniers mots, créature obèse. Le potentiel sans limite, Galax Silver. Schling, qu'est-ce qu'il va faire? Wow. Il est stylé. Mon sabre Galax est prêt pour vous mettre tous à terre. J'ai pas de quoi le toucher? Si, ça devrait être bon. Eagle Lasso. Boom. Double attaque. Merde, je devais pas le battre de premier tour. Je fasse attention. Faut que je fasse attention que ça, je vais l'avoir abattu dès le premier tour en fait. J'ai porté trop de coups déjà. Alien Gun. Il se déplace bien. Ouais. Hop. Elle va le battre. Putain, elle va le battre. Je sens qu'elle va le battre. Elle l'a battu, mince! Bon, c'est pas grave. Ah, vous m'avez battu! Cette menace était facile à abattre, Bonus Ranger. Merci pour votre aide, Galax Silver. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Vous devriez remercier les cristaux d'énergie par lequel nous sommes tous liés par la force galaxique de d'accord, ok. Mais je ferais mieux de me barrer maintenant. Mon vaisseau, le Star Road Surfer, m'attend. Je vous souhaite une bonne chance sur votre voie, Bonus Ranger. On a besoin de plus d'amis comme lui. Ouais, je peux pas attendre que... J'ai hâte que Green puisse voir cet épisode. Ok, cool. Bon, bah malheureusement, on n'a pas eu tous les trucs, c'est dommage. Bon, on a eu par contre plein de trucs comme ça au niveau de l'audience. Ah, on a gagné plus d'argent, c'est cool. Ok, merci. Bon, bah écoutez, les amis, on va se laisser là. Merci. Alors, attendez. Your friend Dave. Is it more than 100 followers on microblog et plus 10 fans par épisode. D'accord. Moins 50 par épisode. D'accord.
Ok, pourquoi pas. On va garder ceux-là, c'est les plus chers, mais c'est les plus efficaces. Hop. Voilà. Parfait. Plus 10 d'audience. Hop, voilà. Et on aurait plutôt bon. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos et à vous abonner, ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis, je vous en remercie. J'espère que cette série vous plaît, moi je m'éclate dessus à la faire, malgré forcément la traduction instantanée. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et d'autres épisodes dans Chroma Squad.